Ambasador Narodne demokratske republike Alžir, Abdelkader Mezdua, započeo je svoj mandat u Srbiji jula 2008. godine i obavljao ga je do sada. Za 7,5 godina koliko je na ovoj poziciji, ambasador Mezdua, slobodno se može reći, učinio je više od svojih prethodnika. Aktivno je učestvovao u svakom segmentu života naše zemlje. Samo sa jednim ciljem, da pomogne. Učinio je toliko da će sigurno ostati zapamćen kao jedan od najaktivnijih ambasadora u Srbiji. Iz tog razloga, predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je njegovu ekscelenciju Abdelkadera Mezduu ordenom srebrne zastave drugog reda. Excellence, Monsieur le Président, chers amis, brate. Je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement pour l'insigne honneur que vous me faites. Et à travers ma modeste personne à l'endroit de mon pays, de me décorer à l'issue de ma mission en Serbie de l'ordre du drapeau serbe de deuxième degré. Cette distinction constitue un grand honneur pour moi et un encouragement fort à poursuivre dans la voie que nos deux pays, sous votre direction, Monsieur le Président, et celle de votre ami, Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, se sont tracés pour approfondir des relations façonnées par l'histoire depuis le déclenchement de la Révolution algérienne le 1er novembre 1954. Votre pays, Monsieur le Président, l'ex-Yougoslavie, a été un soutien puissant à la guerre de libération déclenchée par le peuple algérien pour s'affranchir du joug colonialiste et nous a accompagnés durant de longues décennies dans nos efforts de développement au lendemain de l'indépendance. C'est le lieu de remercier de nouveau votre peuple, le peuple de Serbie, pour le soutien amical et généreux accordé à l'Algérie, de vous dire de vive voix les sentiments forts d'amitié et de considération qui me lient à vous-même, à votre honorable famille et au peuple ami serbe. J'étais particulièrement heureux d'entretenir avec vous une relation amicale et de profond respect qui ont permis le renforcement et l'approfondissement de la coopération bilatérale algéro-serbe à tous les niveaux. Aujourd'hui, si nos relations n'ont pas encore atteint le niveau qui fut le leur à la fin des années 80, elles ont connu ces 5 dernières années un niveau satisfaisant et sont appelés à se renforcer davantage pour le bénéfice de nos deux peuples. Il reste encore de nombreuses opportunités de coopération à explorer et à examiner. Aujourd'hui, les fondations et les bases sont jetées. En tout cas, je puis vous affirmer, Monsieur le Président, que les entreprises et les experts serbes sont les bienvenus en Algérie et sont appelés et invités à contribuer aux efforts de développement que mon pays a entrepris depuis 1999. Là où je suis passé, lors de mes nombreuses visites à l'intérieur de la Serbie, j'ai pu mesurer la profonde amitié et les liens historiques qui ont marqué les relations bilatérales entre nos deux pays. À tous les amis serbes et à vous-même, Monsieur le Président, je n'aurai de cesse de vous remercier vivement pour toutes ces marques d'amitié et d'estime qui m'ont été témoignées et qui ont grandement facilité l'accomplissement de ma mission. Durant mon mandat, j'ai pu suivre et été témoin des immenses progrès accomplis par la Serbie dans les différents domaines sous votre conduite et celle du gouvernement dirigé par M. Aleksandar Vučić, Premier ministre. Vous avez entrepris des réformes importantes et audacieuses, mais nécessaires à la Serbie. Les graves inondations qui ont frappé la Serbie en mai dernier et les actions de solidarité témoignées par de nombreux pays ont démontré que la Serbie aujourd'hui a des amis partout à travers le monde. Mon pays, l'Algérie, a apporté pour sa part une contribution substantielle en signe de solidarité avec le peuple ami de Serbie. Dans ce cadre, je procéderai dans les prochains jours avec les autorités serbes concernées à la cérémonie de la fin des travaux de confortement de la rivière Lavanica à Ćulpija et des projets similaires seront réalisés prochainement dans les villes de Valjevo, Zaječar et Negotin. Pour vous avoir vu à l'œuvre, je repars conforté par notre détermination commune à œuvrer au renforcement de nos relations bilatérales dans tous les domaines et reste confiant quant à leur essor à l'avenir. Je continuerai à suivre dans les nouvelles fonctions qui seront les miennes attentivement à l'évolution dans votre pays et les progrès qu'il accomplira dans les prochaines années. L'avenir, son avenir, l'avenir de la Serbie n'en sera que meilleur.
Je puis vous assurer que ma famille et moi-même emporterions avec nous l'image d'un peuple orgueilleux, fier, travailleur, désireux d'aller de l'avant et surtout soucieux des amitiés qu'il a nouées durant son histoire. La Serbie sera pour toujours notre deuxième partie. Patrie, nous quittons la Serbie, mais la Serbie ne nous quittera jamais. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à Madame Dragica Nikolic, votre épouse, pour les immenses efforts qu'elle déploie en sa qualité de fondatrice de la Fondation Dragica Nikolic en faveur des populations serbes les plus démunies. En cette veille de fin d'année, de fête de fin d'année, je vous adresse à vous-même, Monsieur le Président, et à votre honorable famille, ainsi qu'au peuple ami serbe, mes meilleurs vœux de santé, de progrès et de prospérité. En vous réitérant de nouveau mes sincères remerciements pour votre soutien, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de mon déférent respect, de mon amicale estime et de mon infinie reconnaissance. Voilà. Predsednik Nikolić naglasio je da iskreno prijateljstvo obeležilo bilateralne odnose Srbije i Alžira. Tokom mandata ambasadora Mezdue dat je nemerljiv doprinos podizanju prijateljstva dva naroda na jedan potpuno novi nivo. Prijateljstvo Alžira posebno je moglo da se vidi tokom katastrofalnih poplava, podvukao je predsednik, i dodao da su nam tada među prvima u pomoć pritekle afričke i arapske zemlje, postaknute inicijativom ambasadora Mezdue. Oproštenoj večeri povodom odlaska ambasadora upriličenoj za prijatelje prisustovao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je tog dana prisustovao pokretanju proizvodnje najznačajnijeg kopa rudarskog basena Kolubara. Ipak je stigao da se pozdravi sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Mezduom, i da istakne da će Srbija imati još jednog velikog prijatelja u svetu. Sa sigurnošću mogu tvrditi da će nam njegova ekscelencija, ambasador Abdelkader Mezdua, svima neizmjerno nedostajati. Prema najnovijim naučnim podacima, sami narod se još pre 10.000 godina odvojio od ostalih evropskih naroda i tako formirao jedinstvenu podgrupu evropejaca. Kulturna asimilacija sami naroda u Norveškoj, Finskoj, Švedskoj i Rusiji otežava tačno određivanje broja pripadnika, ali se veruje da ih danas ima između 85 i 135.000 širom nordijskog regiona, uključujući i urbane regije kao što je Oslo. Država Norveška kao pripadnika sami naroda priznaje svakog onog koji je imao bar jednog pretka iz ove populacije. Procenjuje se da oko polovina celokupne populacije Laponaca živi u Norveškoj. Tradicionalno Laponci su se oduvek bavili ribolovom, lovom i preradom krzna. Ipak u našem svetu Laponci će zauvek biti poznati po svojoj primarnoj delatnosti, a to je uzgoj irvasa. Nemojte zaboraviti da je najpoznatiji Laponac koji se u svim pričama pojavljuje sa svojim vernim irvasom Rudolfom upravo Sveti Nikola ili Deda Mraz.
Sami narod je u Norveškoj živeo dosta odvojeno od ostatka populacije do 1349. godine, kada je zemlju zahvatila kuga. Glavna grana privrede tog doba bio je ribolov, koji je bilo teško sprovoditi usled prepolovljenog broja stanovnika cele zemlje. Tadašnja vlada ponudila je izolovanoj zajednici sami naroda da preuzme sektor ribarenja i time unapredi i svoje i državno uređenje. Laponci koji su prihvatili ponudu Norveške i spustili se na more postali su tokom vekova mnogobrojniji od takozvanih planinskih laponaca koji su se i dalje bavili lovom i uzgojem irvasa. Tako da planinski sami narod danas čini samo 10% ukupne populacije. Dugi niz godina jedinstven način života sami naroda odolevao je uticajem iz spoljne sredine zbog fantastične prilagođenosti na arktičko okruženje. No sa jakom modernizacijom zemlje koja je započela oko 1900. godine, ta se slika počela menjati. Zbog modernizacije severnog dela zemlje, Norveška je želela da asimiluje sami narod i time ih izjednači sa ostalim žiteljima. Taj pritisak je trajao sve do kraja Drugog svetskog rata. 1986. godine zvanično je usvojena sami zastava. 1989. godine izabran je prvi sami parlament u Norveškoj, pa se i nezavisno sami naroda koliko toliko vratila u redovne tokove. Sami narod ima i svoj nacionalni dan, 6. februara. To je dan kada je 1917. godine održan prvi sami kongres u Norveškoj. Ovom kongresu su po prvi put prisustvovali i norveški i švedski samiji bez obzira na nacionalne granice da bi zajednički došli do rješenja svojih svakodnevnih problema. Ovaj nacionalni praznik danas je opšte prihvaćen i u Norveškoj, i u Finskoj, i u Švedskoj. Republika Indija oduvek imala značajnu ulogu u istoriji čovečanstva. Bila je mesto razvoja jedne od četiri najstarije svetske civilizacije, centar velikih trgovinskih puteva i carevina. U Indiji su razvijene tri velike religije, budizam, lamaizam i hinduizam. Islam je na tlu Indije također ostavio neizbrisiv trag. No jedan odevni predmet ujedinio je sve žitelje Indije i istrao je do današnjih dana – sari. Njenu ekscelenciju, ambasadorku Indije u Srbiji, pitali smo koliko se danas u modernoj Indiji nosi ova koloritna garderoba, nesvakidašnji lepe i teške izrade. Indija je širom sveta poznata po kvalitetnim materijalima. Ovaj kvalitet najbolje je prikazan kroz tradicionalnu garderobu. Sari svojom tradicijom nosi i dublju poruku. Ona se ogleda kroz boje ove nesvakidašnje tkanine.
Sari je vekovima uspeo da odoli promjeni modnih trendova i zadrži svoju autentičnost. Zanimljivo je kako je to postignuto ili je prosto sari toliko duboko u srcima žena koje ga nose kroz vekove da je danas život bez sarija nezamisliv. Možda će vam zvučati neverovatno, ali postoji čak 80 različitih načina nošenja sarija, a u nekoj od narednih epizoda emisije Diplomatik ćemo vas naučiti barem jednom. Nikada se ne zna kada će vam se ukazati prilika da do sarija dođete i ponesete ga, a tada, drage moje dame, morate biti spremne da na sebi pokažete raskoš ovog 5 metara dugog nosivog umetničkog dela. Thank you.